demandais, Marc-André, d'où t'es venu l'idée? En fait, à mon travail, je parlais de mon bal de finissant. Puis je disais comme quoi que j'avais pas de moyen de m'y rendre. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait essayé, lui, avec la police, mais qu'il avait appelé à la ligne d'urgence. Fait que je me suis dit, moi, je vais essayer par la page Facebook. Puis ben, finalement, ça a marché. T'es content du résultat? Ouais. Marc-André, je me suis demandé si ça s'est passé comme tu pensais. Plus impressionnant. Oui? Ouais, je pensais pas que tout le monde serait là. Et le fait qu'on soit passé, tout le monde était des deux côtés, là, tout, c'est vraiment impressionnant. Il y a quand même un message qui va pouvoir être passé aujourd'hui, ça, c'est sûr. Auquel tu adhères. Hein? Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut faire attention. Là. Parce qu'on se le cachera pas qu'on a été sensibilisé depuis notre secondaire 2. On a vu le documentaire Dérapage, particulièrement. Puis même à ça, ça change pas grand-chose. On se cachera pas. On se croit quand même invincible. Moi-même parti. Je m'excuse pas. On s'est dit, on va juste aller dans le lit, bon party, amusez-vous et félicitations pour votre resplendie, c'est quand même pas bien. Et au nom du service de la police et de son directeur Pelsidagère, on voulait vous dire bravo. N'oubliez pas, c'est une soirée mémorable pour le reste de votre vie. Je me rappelle dans mon bal et ça fait 32 ans. Ne faites pas partie de cette soirée un jour à oublier avec un incident malheureux. Alors une fois encore, bravo et ayez du plaisir. Merci.